Alors peut-être que du coup, on aura. En vrai, il faut que je débloque d'autres gadgets, genre le monstrifuge par exemple, pour avoir une chance de gagner avec cette épée de ses morts et la difficulté max. Donc en fait, je m'entête alors que je devrais pas. Mais ça me casse les couilles de downgrade en difficulté. Psychologiquement, ça m'énerve. Parce que du coup, ça veut dire que même si on optimise tout, j'ai l'impression de quand même de pas trop mal optimiser, de pas trop faire de mauvais choix. Et ben, le jeu te fait un joli doigt d'honneur. Alors peut-être qu'on fait vraiment de la merde en boîte, hein, probablement même. Parce qu'on n'est pas très intelligent, mais quand même. Et pff. Mais là, on va rouler sur le jeu. Donc, c'est de la merde en boîte. Et puis, il faut que je change le titre du stream. Bonjour à toutes et à tous. On s'en va vaincu. On le fait en brutal rapidement, juste pour s'assurer, quand même, qu'on fait pas non plus des choix de merde. Et. Non, attendez, il faut que ce soit quand même professionnel, parce qu'on va la poster celle-là. Bonjour à toutes et à tous. Nous jouons en brutal avec le dôme épée. Et oui, ne soyons pas trop gourmands. Nous ne connaissons pas très bien ce dôme épée et nous ne savons pas ce qu'il vaut. Donc, il vaut mieux jouer en brutal plutôt que... Ah oui, tu l'as demandé. Ah oui, c'est quand vous voulez. Prends-toi la max. Mais oui, évidemment. Moi, je suis quelqu'un de raisonnable. Pourquoi je fais la forge alors que j'ai 4 carrés à récupérer et du coup avec le jetpack amélioré j'aurais pu les récupérer avant le début de la vague. Non, c'est bon, ça passe. D'ailleurs, on avait encore le temps, apparemment. Allô? Il est en retard. Vous êtes en retard, monsieur! Ah, au revoir. Ah non. La bombe va bientôt proc. Toutes les bougies sont allumées. Déjà la première amélioration. Ah oui, les vagues sont plus espacées. Puisqu'on joue en... On a décidé d'être le dernier des connards et de jouer en mode facile. En vrai, j'aurais mieux... Je pense que j'aurais mieux fait d'y aller à pied, ouais. Téléporteur est atrocement dégueulasse. Regardez-moi ça, il n'y a personne. C'est les vacances. C'est les vacances à la plage, je sais pas quoi. Je sais pas chanter. Non mais... attendez, je crois qu'on a moult ressources. Non, pas du tout, on a pas du tout moult ressources. Par contre, on va mettre la vague parce que comme ça, ça nous permettra de mieux timer. Mais c'est plus long que d'habitude, donc du coup, faut réapprendre, faut tout réapprendre. En fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut tout réapprendre. Bon, ben, en vrai, je pense qu'on a moult marge de manœuvre, hein. En termes de difficulté, là, on est quand même bien au petit. Et là, il faut de l'eau pour améliorer le téléporteur, pour que... Parce que là, le téléporteur, il est inutilisable, hein. Il sert strictement à rien à ce niveau-là. Donc, me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. On s'en fout.
4, du coup, ça va être le carry système, on s'en fout. De toute je pense que la bague là, elle va se faire rect en 3 secondes. Gauche, droite, milieu, là-bas, on déploie, on tabasse, hop, on part. On prend de l'élan, on tape, hop, on tue, on reprend de l'élan, on retue, hop, on prend la bombe. Et enfin de l'eau. On va pouvoir augmenter ce téléporteur et le rendre utile. Ou augmenter la paralysie d'eau ou les bombes. Augmenter le rayon d'action. Bon, en vrai, déjà, on va faire ça. Donc, normalement, là, je peux l'emprunter. Ouais, c'est rapide. C'est indispensable cette amélioration. Par contre, du coup, bah si on a le droit de faire n'importe quoi, on utilisera le téléporteur pour revenir. Ah bah voilà, des Doritos ici. N'hésitez pas à discuter parce que là du coup normalement je vais avoir tout le temps de discuter avec vous encore plus que d'habitude. D'habitude nous avons des discussions endiablées. Mais là on sera encore plus endiablé qu'endiablé puisque la difficulté est moindre. Et donc je pense qu'on va pouvoir se toucher la nouille. Sauf si évidemment on se chope une vague qui nous recte comme on a l'habitude de la voir dans difficulté max. Mais j'y crois moins. Bizarrement, j'y crois pas. Allez. Alors ici du coup on a ramené 3 donc non on n'a pas assez pour augmenter notre rapidité, notre vélocité. On peut prendre ce paralyseur mais est-ce que vraiment il est utile? Ah oui on sait toujours pas la santé de notre dôme. Peut-être qu'on va le prendre quand même. Oui ça va pour le moment. Faut pas trop non plus gourmander. Ah merde on aurait pu augmenter le rayon d'action de la mine surtout qu'on va l'utiliser immédiatement. Des réchefs. Allez, go! Super, c'était génial. Okay. C'est pas grave, on aime ça, ça prend le max. Allez, on ramène tout ça à la maison. On se booste, nous. On met un jetpack de ouf ou une foreuse de ouf. On reprend le téléporteur et c'est la win. Foreuse, allez. Hop.
On aurait dû amener le téléporteur avec nous. Quoique. Non mais les vagues sont tellement espacées, hein. On a tellement le temps de faire des trucs, alors qu'on n'a pas l'habitude de ça. Hein. D'habitude, on récolte 3 carrés et encore, même pas. On a juste le temps de s'apercevoir que le jeu nous arnaque et c'est tout quoi. Je spoil hein, pour ceux qui... Enfin non, je le rappelle pour ceux qui sont pas là. On est... qui étaient pas là, pardon, quand j'ai changé le niveau de difficulté, on n'est pas encore en vous l'avez voulu. Enfin, on a juste régressé pour tester, pour voir si vraiment... on est... Parce que ça fait quand même, je crois, 6 heures à peu près qu'on choke sur l'autre difficulté. Donc là, voilà, c'est histoire de se rassurer et de voir que là, on va rouler sur le jeu, normalement. D'accord, j'ai pris ça, mais en fait, ça sert à rien. Je peux prendre ça. Je suis pas obligé de prendre le 1 avant. Il bait. Donc en fait, j'aurais pu prendre le 2. Bon, peu importe. C'est nous qui on a envie d'augmenter ou on a envie d'augmenter l'épée. Peut-être augmenter l'épée quand même. Même si c'est facile. Ouais, prendre le stun. C'est moins cher. Et après, il faudra augmenter la mine à un moment donné. On a pris cher pour rien, mais c'est ok, c'est pas grave. Mais c'est pas censé faire mal sur le retour. Ok, ok. Allez, on time ça bien. Heureusement que l'autre vague ne se relance pas immédiatement. Un jour, j'emmènerai le téléporteur avec moi pour le descendre plus profondément. Ah oui, alors attendez, on n'avait pas commencé à découvrir des zones, non? Là je recreuse, mais si on avait déjà découvert du fer, non je crois pas. Je crois qu'on avait déjà tout pris. Là c'est bien. Allez bien petit cube. Petite augmentation de jetpack, ce serait pas du luxe hein, là, on commence à se traîner de boule. On a la bombe, on a le téléporteur aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Jetpack, est-ce qu'on a 8? 6, 7, 8, boum, jetpack. Bim, on prend la bombe, on fonce. Tweet, 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 tweet. Hop, on balance. C'est de la merde, comme d'habitude. On prend le téléporteur, hop. On l'emmène dans les profondeurs. Hop, 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 hop. Ah, vu. 2, 1, de la merde en boîte. Mais c'est pas grave, on sera capable de se défendre, je pense. Hop, au revoir. L'artefact. Bon, c'est peut-être un peu trop, non? Enfin, ça passe. Arrêtez de tout coincer! Passez un par un! Ou deux par deux, en rang, tenez-vous la main! Faites pas chier. On a dû faire à droite. Qui attend sagement de se faire récolter.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme amélioration? Troisième amélioration qui est... On voit le mont de charge, c'est aux aptières. Autant prendre le laser et éviter de la débandade. Mais de toute façon, il n'y aura pas de débandade, c'est impossible. Enfin, là, la difficulté, elle est inexistante. Le refroidissement, oui, il fait des dégâts. Ou on améliore notre mine. Allez, il se refroidit. Mais la mine, elle est pas là. Hein. Enfin des Doritos. Un seul. C'est bon, faut pas non plus abuser des bonnes choses. Allez, on essaie de remonter avec ça. On se traîne le boule, on est un peu en surcharge. Quoique non. 7, c'est 8, non? Je sais pas si on a augmenté. À quel niveau est notre portance? Non. Notre jetpack. Nos propulseurs, voilà. Notre jetpack, nos propulseurs. Une mine, hop. Alors, on va attendre que ça se fasse absorber. Qu'est-ce qu'on nous propose? On peut prendre ça. Et après du 4-3. Donc avec du 4-3, on peut améliorer notre compagnon. Ou alors améliorer le bouclier. Ce qui serait pas du luxe au final, parce que... On va améliorer notre compagnon. Ah non, 4-3, c'est la bombe aussi. C'est vraiment utile. Allez. Allez! Vu qu'elle est là. J'ai balancé la purée. Pourquoi? On ne sait pas. On est en train de prendre cher, hein. Mais on va avoir le soin, vous inquiétez pas. Je prends lui. Je m'occupe de lui. Répartissons-nous les tâches. Mais non mais occupe-toi. C'est bon. On l'a mis qui fait des dégâts ou pas? Non, je pense pas. Très déjà mort. Allez, go, go, go! Là, on a une bête de bombe, donc il faut vraiment la mettre dans une cheminée. Allez, hop, au revoir. Bah, c'était bien. C'était bien! On sait où il y a du fer, à droite. Souvenez-vous, je l'ai dit. Ah, là aussi. Oh, moult ressources. Allez, on essaie de faire l'aller-retour. Tu vois, si prendre le téléporteur, là, ce sera le plus court. Déjà, encore faut-il réussir à faire au moins un aller. Allez, 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 allez. Et... Hop. Voilà, on va prendre light, hein. Allez hop, on se casse. Bon, on aurait pu miner les Doritos, histoire de ne pas les prendre, mais juste les sortir du caillou. On va optimiser un peu. Ok. Soin, je pense. Hein. Soit à base de Doritos, soit à base de HP up. Allez, HP up, ce sera. Qu'on s'en économise pour la dernière amélioration de regain d'énergie à base de Doritos. Je suis heureux d'avoir un souffle électromagnétique qui sert à rien.
Il regarde ailleurs, je sais pas. Il se touche la nouille. C'est long. C'est très long. Rien de moi. Ok. Téléporteur, vraiment? Alors on a touché le bord. Ah. Et même les strates sont plus friables, j'ai l'impression, en cette difficulté. Outre les vagues plus espacées, du coup les strates plus friables, j'ai envie de dire, on se touche la nouille, quoi. Parce qu'en difficulté max, t'as 40 couches qui sont invincibles. Tu te chopes des vagues espacées de 2 millisecondes, t'as le temps d'aller chercher un cube et encore. Ok, quand même. Il y entre. Meilleur tranchant. Va falloir augmenter quand même l'épée à un moment donné, mais en vrai, on est confort. Tiens, on va faire en sorte que le laser soutient. Passe des dégâts. Comme ça, du coup, ce sera un peu moins la dèche. Ce sera du gain de temps, mais du gain de temps juste in-game time. Pas du gain de temps qui sert pour les runs. Hop. Ok, c'est cool. Hop, hop, hop. Un seul, super, j'en ai pris qu'un. Ah, moult ressources là. Là, on a trouvé le filon. On aurait pu en prendre peut-être un de plus. Ou aller chercher le Doritos qu'on a loupé. C'est pas grave. Allez. On se met bien. Du coup, on peut prendre ça. Et 7, du coup, bah, on verra. Bah, l'épée. Ou le reflet, le renvoi. Non, l'épée. Allez. On est en avance. Mais ça fait pas de mal. Évidemment. Une fois que j'ai tiré mon coup, les Raymanta arrivent. Ah, oh, mais diantre. Allez, on revient avec ça. On prend la bombe si elle y est. S'il y est pas, c'est pas grave. On finit un petit peu. Ah bah, il y a tout ça là-bas. Moi, je mine des trucs... Attends, le téléporteur il est pas très 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 bien placé là. Alors avec autant d'eau, on peut faire soit la bombe, soit le... Ah, soit le bouclier aussi. 4-3. Oui, ça c'est pas mal ça. Puissance du bouclier de base, il aura le temps de se charger. C'est cool, c'est validé. Bon bah t'es pas fini, on est d'accord. Bon écoutez, on va aller chercher les ressources qui sont déjà à nu. Un jour on ira chercher ce Doritos. Et bien on a toujours le fer aussi qui est à droite. Là, les ressources sont abondantes. Enfin, c'est vraiment un gros...
Un gros gap de difficulté. 6. 6 avec 6, qu'est-ce qu'on fait? Le renvoi. Au niveau de la bombe, c'est le prochain, c'est 8-3. C'est cher. Ça va. Bon, on peut économiser. Le renvoi, je suis pas sûr. On va peut-être plus économiser soit pour ça, on une économie. On est large, normalement. On est confort. Alors, les gorilles, par contre, ils font super mal. Donc, on évite qu'ils s'approchent le plus possible. Je sais pas pourquoi j'ai attendu que ça charge pour avant de faire le mouvement gauche-droite. Absolument inutile. Allez, on l'emmène avec nous. Ça va falloir lâcher la bombe. Et si possible dans une cheminée. Ouais, c'est quand même confort, hein. 3 gadgets. Là, c'est easy. On va y arriver facile. D'ailleurs, on s'était interdit de, lors des deux premiers essais, sur la difficulté brutale, de transposer un gadget. On s'est dit vraiment, c'est trop simple. Et en effet, alors là, c'est. C'est la joie. Hein. Pour augmenter quoi? Le carry ou on se méfie et ils vont nous envoyer la max et on augmente encore notre puissance défensive. On peut faire ça. Là, je sais pas si... Oui, si, c'est utile. Non. Oui, c'est utile, non. J'en sais rien, là, il y a trop de choix. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Coup de 10. Le renvoi. Le dôme qui dure plus longtemps. Enfin, qui paralyse plus longtemps. Ah, tiens, c'est vrai qu'on joue pas trop ça. La tankisation du bouclier. En vrai, je pense que c'est une faute. C'est quand même notre gadget de base. Il faut quand même l'utiliser. Alors tout se passait à gauche, hein. On avait déjà mis un moteur ressource à terre. Je sais pas si on aura le temps de revenir legit si large. Ce petit bruit cristallin. Hop hop hop. Allez. 3-3, qu'est-ce que je fais avec 3-3? Je crois que... je peux faire ça. Mais je m'en fous, c'est aux FTR. Ben rien. J'ai envie de dire, on va économiser. Voilà. Alors l'anticipation de trajectoire qui n'existait pas. Allez, viens avec moi. Mais tout se passe encore à gauche, non? Ah non, c'est bon, il y a des trucs ici aussi. Oh là là, mais c'est pléthore de ressources là. Oh là là, c'est l'abondance.
Moi, ça nous fera une autre VOD à poster. Ça nous fera deux VOD de victoires à poster. Est-ce qu'on postera que des victoires? Je sais pas, parce qu'après, il faut que je me retape le visionnage de toutes les défaites. Ou alors, il faut que ça soit des défaites, mais pas cuisantes. C'est-à-dire que, au moins, qu'il y ait du suspense en termes de longueur de VOD. Parce que si le mec, il voit, enfin, la personne voit que, du coup, il y a une VOD qui dure 10 minutes, il va se dire, bon, c'est pas une victoire, ça, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Mais si je passe que des victoires, bon, au bout d'un moment, ça va se voir aussi. Bon, en vrai, on peut aller à la victoire directement, je sais pas pourquoi je m'amuse à farmer. Hein. Parce que je pense que l'artefact n'est plus très loin, on aurait dû percer dans la strate bleue. Mais là du coup je me buff, je me booste alors que ça sert à rien. Je suis sûr qu'il y a des success team genre terminés en moins de 10 minutes, en moins de X minutes. Alors attendez, on se traîne un peu le boule. On s'en fout. De toute façon, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 10 ans. Hein. Oh là, mais il se fait poke et il meurt pas. Il est si faible que ça? Ah, on a touché le fond. Est-ce que ça joue à gauche, à droite? Là, il y a un mur. Ah, ah oui, d'accord, on a encore des crochets à un câble, super. Là, ça commence à être trop solide. Ah, écoutez, on va remonter. Avec des ressources quand même. Oh mon dieu. Hop. Et on va aller chercher une bombe pour creuser plus efficacement. Ou augmenter notre foreuse. Mais je pense que c'est moins coûteux de... On peut tout faire. Hein. Je pense qu'on a suffisamment de ressources pour tout faire. Ah bah non, on n'aura pas de bombe. Donc... mais on peut pas augmenter la foreuse. Donc... bah rien. Hop. Est-ce que c'est là que ça joue? Là c'est solide, mais là c'est pliable. Allez, on va dire que le prochain aller-retour, enfin le prochain aller, c'est le dernier. Parce qu'on trouvera immédiatement évidemment l'artefact. Enfin aller-retour, parce que du coup faut quand même revenir avec l'artefact. Ne vous inquiétez pas, nous allons repasser en vous l'avez voulu pour ceux qui arriveraient sur ce live et qui verraient l'abondance de ressources, la facilité. C'est la seule run qu'on fait en normal juste pour voir. Enfin, en normal. C'est brutal. Juste pour nous rassurer parce que on a passé 6 heures sur la difficulté max. Sans avancer, alors certes, on se fait chier avec le... Peut-être que du coup, on essaiera du coup la difficulté max avec le laser aussi pour se rassurer. Alors, avec le laser, ça devrait être plus confort. Je dis ça, mais... Maintenant qu'on s'est habitué à l'épée. Qu'est-ce qu'on augmente
Le jetpack pour foncer tel où ça. Où ça. Bon. Augmentation mais pas trop. Pas trop cher. On a pris la max, hein. On a mal joué, mais c'est ok. J'assume. Déjà, on a laissé la sèche de l'espace nous attaquer bien trop fréquemment. Ok, donc premier truc d'énergie qui nous mène là. Non, là, là-haut. Bon, ça, ça nous mène où? Là. Peut-être. Suivez le câble, oui. La deuxième alimentation qui est là-dessous. Non, pas du tout. Là. Est-ce que ce sera suffisant pour le ramener? Ça va être juste. Mais ça devrait être faire. Ah ben, de temps que ça s'ouvre aussi. Ah ben non, j'ai appuyé, mais ça n'a pas marché. Ça s'est ouvert. Ah, ça devrait le faire. Parce qu'il y a le bouclier pour tanker mon retard. Battons-nous quand même! Même si on sait qu'on s'en fout! Il y a peut-être un succès de tenir très longtemps contre la dernière vague of the death. Prends la max. Allez, bisous. Bon, voilà. Du coup, une run qui a duré 30 minutes. Terre des titans. Du coup, validé. Nouveau monde débloqué. Ah bah oui, mais du coup, on débloque des trucs. Bon, au moins, on verra quelque chose de nouveau. Choisissez votre élément débloqué. Ah, le mode de prestige. Donc, nouveau mode de jeu. Marquez des points en renvoyant chez vous autant de ressources que possible avant que votre dôme ne s'effondre ou que vous ne quittiez la planète sain et sauf. Donc, c'est le sort de mode endless, quoi. Et le retour à l'envoyeur de votre capacité de combat de gadget. Déclenche une capacité de combat active qui renvoie les projectiles des ennemis pendant un court laps de temps. Nous allons prendre ça, plutôt. Et voir si, du coup, grâce à ça, on va pouvoir réussir, du coup, l'épée, le dôme épée. En difficulté maximale. Des bisous. Mais vous avez vu, du coup, le gap de difficulté est assez monstrueux. Alors après, on aurait pu jouer en carte moyenne. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. On a été un peu bête. Mais après, ça nous aurait mis plus de temps. Et bon. Pas très utile, je pense. Des bisous.